Jean-Bruno Lorette, bonjour, merci d'être l'invité, le premier invité d'interview du Grand Brésil, en compagnie de garçon qui s'appelle Dylan. Parfois, moi, tu vois le Facebook, ou Godco. Parfois, moi, je dis, tu veux faire training. Parfois, moi, je pour le bateau. Alors, vraiment, qui est Jean-Bruno Lorette? Bon, Jean-Bruno Lorette, on peut être qualifié de l'homme de, qui aime le danger. Donc, de par le métier, de par le travail. Donc, les emmènements fréquents pour tous les milieux. Donc, je veux dire, en tant que coach court, que le training qu'il faut mettre pour cette balle, qui est important aussi. Au niveau Facebook aussi, le côté relationnel, le côté qui permet tout vraiment de faire assez rapidement et bonne donnée, bonne échange de données, bonne communication. Mais aussi, Bruno Lorette, tu travailles beaucoup plus à l'international sur les bateaux et la lutte anti-piraterie et surtout le côté antiterroriste. Là, le film Bosman Tablo, un peu au corps, est-ce qu'on t'en fait? Et que vous préférez alors? Exactement. En fait, mon caractère, un peu mon nickname, c'est Danger. Donc, il vient tout ça, c'est moi. Vous êtes un peu plus fermé que la TFM? Et la TFM, oui, mon content, mais là, un peu plus fermé parce que quelque part, au niveau de la mer, donc, nous besoin faire le break entre la. C'est ça, on doit faire une période de transition parce qu'on est sur le bateau. Donc c'est autre chose qui veut dire que le monde n'existe plus. Il n'y a que le bateau qui existe parce que nous devons prendre l'amener à bon port. Et donc qui veut dire que tout ce qu'il y a autour ne peut exister. Il n'y a que le bateau, il n'y a que l'équipage et qu'il n'y a que les marchandises sur le bateau qui existait. Et puis le reste ne peut exister. C'est-à-dire ou d'un vase clos dans un étendue d'eau. Voilà exactement. En même temps, on a absolument le mot exact, mais comme si on a un petit vase ou un étendue d'eau. Donc et bien, c'est ça le plus important pour moi. Mais c'est difficile parce que vous utilisez un mot là pour. C'est ça que tu dois son temps à la lutte. Il est facile de le battre comme ça, un esprit quand on lui connaît que tu veux passer la passe, il est facile. Non, mais justement, quand on le battre, heureusement qu'au niveau de la famille aussi. Bon, au niveau de mon épouse, il y a de moi et l'orient, parce que dans le sens que quand c'est quand on le bateau, que bien même à la maison, on oublie tout ce qui s'est passé. Mais heureusement qu'il y a de moi de ce côté-là, parce qu'on change tout ce qui est côté. Quand j'ai voulu jouer plein de bateaux, qui fait des bateaux ça? On a maintenant un catamaran, on va faire des tours, on essaie de haut. Quand j'ai un bateau là, qui était ça? Explique-nous un peu. Non, en fait, c'est déjà le bateau, c'est un bateau qui fait environ 125 mètres minimum. Et c'est un bateau qui se tenage, bon, qui est capable d'avoir environ 6000 tonnes de marchandises. Donc, qui déjà finit à peu près un bateau qui fait 18 nœuds. Et c'est un bateau qui navigue en haute mer. Donc, quasiment, c'est un cargo vessel. C'est-à-dire qu'il est tout faire là? Bon, on assure la sécurité du bateau, premièrement. Quand ils sont sortis Maurice, il y a dans les autres de l'eau, pour le banc somalien et pour le banc attaque banc pirate. Donc, ça veut dire que vous dégotez un 84 ou bien une équipe Justement, Dylan font partie de mon équipe depuis un an, qui est aussi des points en bois à ça, au danger. Et comment on me dit, nous tout le temps, mais la journée peut-être qu'on apprend bien ou mal, nous n'est pour mot, mais seul ça fait qu'on ne pas connaître, dans quelle circonstance, comment et quand. Je suppose pirates somaliens, nous rencontrons des toiles, ou mal pas nous gagnons de loin. Nous gagnons une alerte, surtout vers 1h du matin, des fois il y a un bateau qui fait 3 nœuds qui vient au loge. Et nous gagnons une alerte, mais heureusement, nous, quelque part, on a matière de sommation, bon, il y a l'air tranquille. Des fois, on a testé, on a testé si vous avez ou pas. L'homme, tu n'as pas fait déjà, c'est facile de travailler au bateau. Quand on m'a dit, papa a fait ce qu'il était, puis il dit, quand il est en train de faire ça, on fait ça, on fait ça, mais quand on ouvre le bateau là, il y a ce bâton de gaz, les oreilles bien ouvertes. Donc on m'a dit, l'instrument qu'ils ont pu servir, c'est vraiment l'optique. Oui, exactement, l'optique est bien. Voilà. Tout, même l'équipement, il y en a tout même l'équipement nécessaire. Et il est facile comme il est difficile aussi. Dans quel sens il est facile et dans quel sens il est difficile? Sauf ce qui est facile, c'est que il n'a pas de protocole pour suivre, oui, mais il n'y a pas un environnement que je travaille dur, plutôt relax, mais tout à fait en alerte. C'est-à-dire qu'en alerte, c'est-à-dire les oreilles, ma dire, j'aurais un man. Ouais, bien vigilant avec l'horizon, assurer qu'il est tout correct. Voilà. Mais l'horizon, c'est-à-dire, nous, on connaît l'horizon, la terre, mais comment est-il la mer, l'horizon hein? Pour nous, l'horizon n'est pas autour. Donc, il veut dire qu'il y a un globe qui est 360 degrés. Donc, il veut dire nous constamment discuter l'océan, l'horizon, du port sur les couchons, sur les levants. Donc, nous sommes à l'aide. Il veut dire que nous passons la journée discuter, guetter au loin,
même le soir avec des navigations, nous étions aussi qui peut passer, qui peut passer surtout. Nous préférons, beaucoup de monde préfère naviguer quand c'est calme, nous préférons naviguer en mer agitée parce que nous le plus safe. Quand c'est pas un petit skiff, c'est rare que nous venons attaquer en mer agitée. C'est plutôt parce que calme là pour nous que le travail est vraiment. Et là, dans la zone, c'est lui, les boissons capables de suivre quand les zones sont pas grave. Il est obligé de suivre, mais de toute façon, c'est quand sur le bateau, on n'est plus papa et fils. Si on se souvient de Charles, la question est-ce qu'il fasse le travail dans la sécurité. C'est tout, nous n'avons pas de protocole dans la sécurité du bateau, ton papa là. Et dans le protocole, il est encore plus là-haut, là. Oui. Hein, là. Ouais. Non, mais il n'est pas compliqué. Pas compliqué, parce que. Là, nous n'est plus papa garçon. Là, il est purement professionnel. C'est désormais différent. Ah bon, enfin, nous reconnaissons, nous t'aimons la mienne, nous reconnaissons. Pour ça, vous aussi, quoi. Oh, aussi, c'est la première fois. Nous sommes à côté de Denis, nous jouons une mampine, nous sommes à c'est une affaire qu'on peut en faire, ça, pas oui, il est venu aussi. Bon, parfois, il est venu à la demande. Mais il est venu depuis de l'extérieur. Il y en a qui connaissent qui nous font ça ici. Parfois, on est en mal contact de l'extérieur. Je te recommander, donc le travail aussi, c'est quelque part c'est important aussi, parce qu'en même temps ça permet de préparer notre monde, parce que chaque monde est différent, chaque affaire doit être traitée différemment. La sécurité est vaste, la protection rapprochée c'est différent. Là, comme on dit aussi, la protection rapprochée, la protection anonyme, la sécurité maritime, c'est un truc qui est vaste, mais c'est moi qui maîtrise de tout. Parce que déjà, dedans c'est le côté physique, nous bien habile en défense à main nue, nous bien habile que nous capables de défendre. Mais nous, contre un banzom, deux pistolets, comment qu'à des ans, une personne. Donc, tout ça, mais il faut une partie intégrale de nos formations. Mais qui veut dire, nous, du moins, qui nous prêts n'importe où, que sur terre, que sur mer, et avec artistes ou bateaux. Donc, Je me suis déjà posé une question, quand tu fais une conférence de presse, il y a bien longtemps. Ouais. Quelle qualité est un bon gars? Quelle bonne qualité est un balanceur, mon appel? Non, une différence entre un balanceur, c'est pas un gars trop. Et déjà, un balanceur, c'est un balanceur, c'est un videur. On appelle ça, c'est un bandeau de sécurité. Ok? Bien souvent, c'est pas une personne qui est formée, mais la protection rapprochée, c'est autre chose. La protection rapprochée, vous dire qu'on est itinéraire normal, ou bien qu'on est itinéraire quand on va payer bouger, ou bien un plan B, officiellement, mais logiquement, on peut lancer un plan B, dans un plan D, un plan E. Ok? Nous dire qu'on écoute nos carrières dans l'embouteillage, nous dire qu'on est la route, qui l'hôpital qui est prêt. Qui minute ça va prendre en X point à X point, sinon un accident devant, qui nous capable de bouger, parce que bien souvent, nous capables de créer un accident artificiel juste pour nous atteindre quelqu'un, nous bloquer la route. C'est aussi facile, mais nous sommes capables de jouer des yeux touchants, mais c'est pour ça qu'il défend les navires éclaireurs devant, mais c'est un travail. Justement, je trouve que nous ramenons, et si vous bien un éclaireur, logiquement, tout bon technicien de travail est un éclaireur. Donc, et voilà. Vous êtes directeur de CAPAP, Maurice. Alors, qu'est-ce que ça, CAPAP, là? Bon, au fait, nous, on représente officiellement CAPAP à Maurice. CAPAP, c'est du combat rapproché qu'il a développé en Israël pour l'armée israélienne et pour la force spéciale. Donc, moi, j'ai la chance, comme si pour toi, la crème de l'élite de l'armée israélienne du counter-terrorisme. Donc, tout récemment, tu as évité Jack à Maurice l'année dernière. Donc c'est un petit peu ces jeux qui guident nous, bon, il y a beaucoup moins de formations, il y a la notion de la chance que tu as un petit peu ça mais déjà. Mais c'est un aspect qui est important parce que quelque part à mon avis, des fois nous pas reconnu, mais là, à l'extérieur, donc il y a, nous, comme on dit, nous les femmes qu'on fait dans sa patrie. À l'extérieur, il y a beaucoup de contacts et même au niveau différents services spéciaux. Comme moi, mon côté est un service spécial israélien, mon côté est un service spécial. Coréen, chinois, anglais, donc un peu partout dans le monde, polonais. Donc, il donne la chance aussi et faire bonne échange avec différents services spéciaux à travers le monde. Et en même temps, approfondir une connaissance et côtoyer. Bon, c'est plus ça qui sont des chéris. Tu dis, moi, mon père, le mois de novembre, décembre, je fais une formation avec Abin Darza. Comment ça passe? Le fait de cela, du monde qui pratiquement ici, on doit une photo avec un check, mon père. Oui, au fait, c'était une grande surprise. Nous faisons un premier bootcamp à Maurice. Donc, juste pour casser un petit peu, ça coûte Expo. Bien souvent, Maurice est arrivé, tout le monde pense Expo en interne. Mais l'extérieur est aussi important parce qu'il aide nous, dépasse un petit peu nos quotidiens, nous change un peu le milieu parce que bien souvent, quand ça vient arriver, il arrive toujours dans le milieu hostile. D'après tout le temps, elle passe que nous ne pas attendre. Mais agréablement, nous avons un Sud-Africain qui est venu.
Nous avons une bonne équipe mauricienne, nous avons un indien, surtout il y a un médecin, et aussi nous avons un aussi loin que la République tchèque. Donc l'année prochaine, nous pouvons dire l'année prochaine, nous finirons déjà l'année prochaine en 2015, mais en octobre, nous pouvons faire l'année, mais nous avons beaucoup plus étrange. Peut-être que nous avons participé. Dylan a participé, Dylan a eu la chance que tu aies sa marque personnelle. Et là, bon, nous sommes dans quelques semaines, après cette 20, aussi, tout dépend aussi de nous pas en mer, mais nous avons une formation en CMI avec ma force spéciale. Mais avec Abinota, Dylan n'a pas une nouvelle chose, une nouvelle approche, parce que nous connaissons. C'est pas une bonne sécurité qui bosse, c'est dans la rue. Oui, il n'y a pas une bonne chose. Au contraire, nous échangeons, nous avons fait aussi. Parce que nous avons lié de la motion depuis très jeune. Et nous aussi échangeons. On a fait, on apprend beaucoup à lui, au niveau combat rapproché, au niveau self-defense. C'est mal technique ça, c'est. Mal technique, mais on a fait quelqu'un qui est là autour de la vie tous les jours. C'est pas ça. Tu vois, c'est le chemin. Il y a une relation, voilà. Il y a une situation que il y a de là tous les jours. Ça va être très utile et qui est aussi facile pour servir comme il tout le monde. Ce qu'on appelle un self-defense. Self-defense. Jean-Bruno n'a pas quelque chose de nouveau, parce que vous l'avez dit pour longtemps, un spécialiste. Non, tout le temps, on n'a pas quelque chose de nouveau. Parce que nous n'avons pas fini à apprendre, et vous pensez même jusqu'à un moment, mais on a toujours quelque chose pour apprendre. Et le plus important, c'est d'apprendre. Qu'on apprend, nous permet de tout partager, et il ne faut pas qu'il nous égoïste au niveau du partage. Parce que bien souvent, j'ai une chose d'apprendre quelque chose, et non, on garde ça pour moi. Non, mais nous, il ne faut pas être égoïste. Quand nous apprendre, nous partager, et nous en même temps apprendre de nouvelles choses. Il y a absolument pas une vie remplie. Pour ne pas ré-remplir, il faut ouvrir mes lits. Donc il y a un petit peu ce contexte. Là aussi, parfois vous prenez, vous faites l'entrée dans une boîte de nuit. C'est une autre activité, mais quand on recrute, une vidéo de côte, comment dire, il y a une caractéristique pour guetter là. Non, je ne recrute pas ma personne, ni mon travail avec ma personne. C'est plus mon assurance la protection des artistes elles-mêmes. Mais au niveau bande-banceur, ici, c'est que des fois, bien souvent, on trouve un monde général, ce CV, il met un t-shirt, il met un banceur. Un banceur, c'est pas ça. En Europe ou autre chose, le banceur, c'est un travail qui noble. Mais simplement, il faut des informations, il faut des bons critères qui sont bien établis. Et la formation est importante, parce que surtout le côté relationnel client, un banceur n'est pas là pour battre du monde. Un banceur, c'est pour assurer l'endroit et pour assurer la sécurité de la personne à l'intérieur de la boîte. Mais il n'est pas là pour battre du monde ou agresser. Bien souvent, c'est. Management qui fait ça, c'est pas management qui forme, c'est management qui prend au tri. Ben, dit, écoutez, vous avez besoin de monde, prend la mettre un t-shirt, un monde, c'est pas ça une barceur. Une barceur, c'est un métier qui nous, à l'extérieur, on trouve de tout en costaud, cravate, l'accueil est différent, donc n'a rien à voir avec le barceur qui sont à Maurice. Mais ici à Maurice, quelque part, le travail a été gâché, l'image du barceur a été gâchée pour certaines personnes, mais c'est pas ça l'image du tout du barceur. Si, c'est si, si, un peu, comment dire, redor un peu l'image des barceurs. Moi, c'est déjà, si tu viens de l'image de Malbanceur, il n'est pas compliqué. Je viens mettre beaucoup l'enfance sur le côté relationnel. L'effective communication entre le client, entre les différentes personnes dans la boîte de nuit. Parce qu'une boîte de nuit, c'est une place qui nous vient de caractériser que du monde défoule les autres. Ce n'est pas un bon enfant qui peut venir, qui veut dire qu'il peut sale pendant la nuit. Que tu gagnes tout aspect. Un Malbanceur est déjà capable de voir sur son froid, surtout. Et même un monde qui a une claque, qui est capable de prendre l'islam, parce que bien sûr, c'est un petit monde qui est sous, qui est sous adrénaline, qui vient là et autres. Mais même des fois, un petit monde, au fait, c'est un métier qui est ingrat, ok, mais c'est un choix. Mais si un petit monde fait un courriel de banceur, c'est bien qu'il n'est pas au choix, c'est pas parce qu'il veut gagner un boulot pour lui battre le bâtiment. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de bon banceur, il n'y a pas de bon élément. Des fois, quand on va aller même à grand, il y a une boîte qui va aller aussi, feel safe. Mais il y a pas de boîte quand on rentre, après toutes les choses dégénérées, c'est pour un manque d'expérience. J'ai aussi pas mal de monde bien souvent qui des fois qui bon c'est pas mal de monde qui bien souvent qui des fois c'est très excité mais elle m'a lancé en lui-même il prend il ne faudrait pas qu'il y ait aucune excitation quand c'est dans le groupe c'est tout ça c'est faux mais c'est pas ça c'est une décrivante ban danseuse bien avoir un gros dico c'est bien rasé bien pénétré. Mais c'est l'image du danseur qui n'est plus là Maurice.
à Maurice, tu dis simple, il suffit qu'il nous fasse un tout, mais comme on dit, c'est pas pour tout, mais là c'est une boîte qui vraiment je traîne le travail du manger, qui pourrait même là, je suis bien, bien standing, je suis debout, je suis droit, je suis bien habillé, chemise bien rentrée, je suis même cheveux bon, les coupés, les bien, c'est même qui présente bien déjà, parce que c'est qui bien souvent qui quand les vannes coupées, les vannes boîtes, c'est oublié, c'est qu'un manger, c'est la première image qu'elle dit, nous gagnons de la boîte de nuit. Donc si un manger il représente une bonne image déjà à l'entrée, après, c'est l'image qu'il faut projeter à l'intérieur. Et par contre, si déjà l'image à l'extérieur est négative, mais c'est malgré qu'à l'intérieur c'est positif, c'est l'image négative qui va nous gagner à l'intérieur. Juste pour terminer, le 5e bande là, qu'on appréhension aura déjà fait Jimmy Cassel et Kimo Cassel dans une boîte de lumière. En fait, moi, je ne sais pas trop combien d'issues qu'il y a derrière. Mais c'est moi malheureux, parce que c'est moi déjà qui promouvoir énormément Maurice à l'extérieur. Et c'est pas le cas comme ça qui est arrivé. Parce que bien souvent, c'est moi, quand on me dit devant, elle m'a enseigné bien à droite de personne. Elle est bien à droite de personne parce que la sécurité. Peu importe la situation qui est arrivée, il est bien capable de gérer la situation. S'il n'est pas capable de travailler sur les gens, mais évolution dans le métier, il va travailler et faire autre chose. Souvent, quand on va dans la boîte de nuit, on a une bonne barre. C'est pas ça. En fait, c'est pas ça. Je me dis que je travaille comme un abonnement, mais les deux sécurité ou deux supervisors, c'est ça. Je me dis que c'est mon travail. Parce que, un du monde, mais après, un du monde qui va attaquer, ou bien la technique, ou quand vous restreignez cette personne, non, vous mettez en dehors de la boîte, vous finissez. Une fois que la personne est en dehors de la boîte, qui veut dire, il n'est plus une menace pour lui-même, il n'est plus une menace pour les autres qui sont à l'intérieur, et il n'est plus une menace pour le grand public à l'intérieur, vous finissez tranquille. Le plus important, c'est que vous prenez lui, mettez dehors tranquille. Et quand il y a qui vous fait la garde rapprochée, comment, qui vous lâche avec le bandit, comment passer, mais la porte ouverte, je te demandais, je te relevais, c'est vous qui dites, bon, Quand mon artiste est venu, niveau là, bien monté. Non, mais moi, je suis content, moi, tout le temps, de mal conseil, c'est que si j'ai un artiste, je suis content, déjà, de mal conseil, je suis content, il y a un marché autour. Parce qu'il y a une mauvaise opinion, parce qu'une boîte, tu es bien capable de rouler, c'est sans marché. Il n'y a pas nécessairement un marché pour les rouler. Donc, moi, je pense que la sécurité interne, et le marché, il est bon, il peut être là, mais simplement, c'est bien professionnalisé. Tu viens bien connaître déjà le côté qui vient faire en alerte. Et donc, qui parle de circonstances de bien agir, que tu n'as pas besoin d'agir. Et un marché n'a pas besoin de montrer ce mix, pas besoin de montrer, il n'a rien compris. Il est bien capable de mettre parmi la foule. Si un danger, il est fait imminent, à ce moment-là, il va agir. Vous pensez qu'il y a un marché, j'ai mis le même type de marché, moi j'ai mis un caméléon, je suis dans la pose de piqueté, mais je fais. Moi j'ai pas moi, oui, parce que généralement, quand on me suit un peu la boîte de nuit, mais quand on me voit un jet qui s'est tombé, moi j'ai trois colonnes, je dis devant la piste des danses, puis c'est régime. Non, mais c'est ça qui quelque part qui est mauvais, parce que, bon, moi, je travaille beaucoup avec un artiste, parce qu'un artiste, il y a un public. On ne va pas qu'on fasse un public, il vient un artiste. Mais on est capable de gérer tranquillement, il se moufle, mais sans qu'il vraiment paraisse absolument comme si on prend les cavernes du Pérou, on met trois Rottweiler devant un public, entre un public et un artiste, c'est pas ça. Au contraire, je dois être géré de l'extérieur, je dois être capable de mes yeux parmi la foule, mais pas nécessairement que je viens à croire du monde là. Parce que bien souvent, des personnes appellent pour la sécurité, c'est ce qu'on appelle la sécurité anonyme. Donc, faire la sécurité sans que personne connaît qui voit beaucoup de la sécurité qui est là. Et c'est maintenant qu'il nous fait beaucoup à l'extérieur. Donc, et, ici, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de show-off au niveau des marcheurs. Qui fait justement qu'ils ont vu ça? Des fois, c'est une question d'orgueil, c'est une question de chauffe. Parce qu'il y a beaucoup de monde extérieur qui se pensait, bon, écoute, comme là, on va c'est ça. Non, un monde, il est bien faux en esprit. C'est pas le physique qui joue, c'est le mental. Et parfois, tout le monde, on ne peut pas donner des droits coups de couteau, on est pour rétablir la situation. Oui, mais bon, il y a des cas fausses majeures. Bon, il y a des situations, on va dire que peut-être des. Tout à fait, il est relatif. Si le danger, il n'y a aucun danger, bon, écoutez, ou relax. Mais si vous pouvez un bouquin noir, un couteau, lui, la veste qui calme, bon, ça c'est autre chose. Comment nous dire que, bon, l'attaque est bien proportionnelle à la défense. Vous ne pas que, ben, ouais, vous pouvez venir, vous avec vous, taper. Donc là, les gens finissent aussi dans la loi de self-defense. On n'est plus en self-defense, on est en catastrophe. Tout à l'heure, à l'entrée de l'interview, il y a un moment qu'on tente d'enlever. Puis, rappelez son manière, vous avez évoqué tout à l'heure. On essaie de trouver le bâton, on essaie de réfléchir. Qui fait ça, même Jimmy Lang, Vini, de qui de la terre, de la rançon,
Ils ont commencé avec un catamaran, puis ils ont avec un bon, là, pour gagner un peu d'esprit, moi, dire comment ça va fonctionner. Bon, en fait, nous déjà dans ça l'esprit là, parce que, en fait, comment nous disons, quand tu parles de modification opérandi, il y a différents types d'attaques, il y a des Somaliens, et il y a les autres aussi. Bon, mais simplement, les Somaliens, ce qui peut jouer de ça, c'est l'argent. Parce que dans un pays, c'est déjà riche, mais c'est une mafia qui est derrière. Hein. C'est que nous trouvons les Somaliens qui viennent de Pirogla. C'est comme nous disons, c'est le dernier maillot là, c'est le dernier débaillon. Parce que, logiquement, bon, si Banat peut-être une récit hijack and battle aussi, donc il n'y a que 5 ou 10% du rançon. Donc il y a tout le 90%, c'est avec mal les autres personnes. Bien souvent, je prends mal, mais bien souvent, il y a mal pirate aussi qui est un skiff avant de contracter. Donc, qui sens, c'est que demain, je gagne un bateau de pêche. Là, si je gagne un bateau de pêche, je prends les commandes de sommaire. Je vais mettre un skiff autour de la ville plus loin. Donc, en même temps, les autres, ce travailleur service avant de dire là, ils ont payé en fonction. Mais maintenant aussi, c'est comment les passer. Demain, ça va diminuer à Libye. Je prends un messoumère qui n'a pas un petit skiff. Demain, ça va diminuer une semaine de vivre qui est en autre mer. Ça veut dire que quand je vis, je finis, c'est que je gagne, je suis déjà ramené. Donc, c'est une question de survie. Mais il y a plusieurs mindsets, il y a plusieurs façons qui m'ont servi dans ce manière-là. Mais bien souvent, ce qui m'a dit qu'il a attaqué, là, c'est le dernier maillot. Et quand vous êtes le bateau, nos visières, qui est la dynamique montée, la tension montée, ou nous ou de le signal, on va dire, on dit à Banzon, pas un kit Banzon qui est à l'intérieur, un marin, mais. Non, il y a déjà, en fait, nous déjà formés par rapport à ça. Qui veut dire que demain, si tout le monde a un skiff qui rentre dans nos périmètres de sécurité, c'est déjà nous commençons à prendre le signe. Nous avons déjà commencé par la mise en alerte et autres. Et le capitaine connaît qu'il vient faire, le second qui vient connaît faire. Nous connaissons pas une alerte pour venir que tout le monde peut besoin aller au niveau du bateau pour sécuriser. Mais c'est un avec qui déjà enrôlé et nous faisons bander aussi le bateau qu'on a enlevé. Pour qu'il m'a dit habitué. Et des fois, nous faisons un shooting test, c'est habitué, on va tirer un coup de balle. Puis il m'a dit que ça ne va pas poser un problème. Parce qu'on a dit qu'on a un coup de balle, il panique. Mais c'est loin de là. Parce que nous, dans nos zones périmètres, nous tiennent un tiers de sommation. Ben, quand on continue à venir, ben, si nous devons tirer, nous tirons une shot, si nous devons tuer quelqu'un, nous tuer. Pour revenir là, si nous devons trouver un petit bateau sur Mariana, comment c'était? Comment tu peux voir, trouver un bateau, après trouver un bateau, la carte est bien. Explique-moi émotionnellement, qui vous sent cela? Émotionnellement, il y a un petit poussé dans les rangs. Mais je vais dire, nous n'avons pas dormi sur le port. Nous n'avons pas qui coule parce que nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas de problème de bonne décision. C'est-à-dire, prendre une bonne décision, c'est-à-dire. Donc, c'est. Il y a un protocole. Je ne vois pas si c'est un protocole. Là, bien sûr. Mais comme si nous faisons une sur ma chambre, on a fait continuer. Nous payons le choix. Mais est-ce que c'est en relation, le bateau avec une colline, l'homme étranger, une colline à l'homme américain, et à l'homme indien, qui est un peu. L'homme français aussi, qui est la région, qui contrôle un peu ça de même, une nouvelle pouvoir. Ou la maritime, c'est en contact avec oui, nous, bah, en fait, nous en contact avec, bon, comme tout marin, je suis en contact avec le Navy. Mais aussi, il y a deux unités au niveau qui contrôle les trucs maritimes, le MSCHOV au niveau d'Afrique, qui est en contact avec tout ce qu'on appelle le Nord Africa, tout ce qui passait. Et puis, il y a la UKMTO qui est basée à Dubaï, donc c'est le contrôle. Donc, si jamais il y a une question, nous nous mettons en contact au fur et à mesure à ces unités-là. Et c'est ce qui est avec le Navy, ou le bateau dans les parages à ce moment-là. Parfois, nous trouvons quand on a un reportage, un Américain peut faire un reportage, peut faire ce match. On peut trouver une manière, maintenant, ce manière-là, on peut trouver un peu moins de nordier, si une femme fait un nordier pour comment ça Non, heureusement que non, parce que, bon, quelque part, nous aussi, c'est un jeu, hein, c'est un jeu psychologique, ça. C'est un jeu psychologique qui est passé partout, donc, qui veut dire que mentalement, nous sommes bien solides. Parce que demain, nous avons un Somalien qui vient, il tient des trois coups de balle, il réalise, il gagne le bateau, il tient des trois coups de balle. En même temps, si on va réfléchir, pour faire un PVN, il faut aller. Tout tient à la sommation que vous voulez faire, c'est une balle en moins. Donc, maintenant, en même temps, c'est une cuisse ou réserve, et je vais pouvoir attaquer quand vous voulez en avoir. Donc, c'est pas une technique. Des fois, nous devons connaître qui nous veut faire, on peut faire. Des fois, on fait une tient, si nous ne pouvons pas nous faire un tient de sommation, mais nous allons tirer directement dans sur le bateau, même nous faire un trou dedans. Donc, mais si on disait pour monter le manuscrit là, en opération, c'est-à-dire en opération guettée, parce que parfois on trouvait une spécialiste de la Navy, tu as guetté s'il y a de l'essence, s'il y a de balle, parfois je disais non, ça vous là, il n'y a pas un PCR parce qu'il y a trop beaucoup d'essence pour une sortie en justement, en justement, pour nous différencier un PCR avec un pirate, il est simple. Si nous trouvons là 10 bidons, 10 à plus, environ une dizaine de bidons d'essence qui pleurent, le tout ce qui fait bien couvert,
nous trouvons un laisser ou un coucher le bateau là, donc peine à filer, peine à mettre la pêche, des gens de nous bassins qui ne sont pas mal pêcheurs. Et même le nécessaire qui appelle IAM quand on a un bateau, qui permettrait le retracement de bateau en zone, qui c'est l'automatic information system. Donc il demande pointant, c'est un bateau qui est venu, puis il y a un autre bateau, nous l'avons répété au lieu de nous radar. Donc il finit de nous baser déjà qui va la personne qui était. Donc il veut dire à ce moment-là, nous état d'alerte passé, il est capable d'un niveau 1 à un niveau 4 tout de suite sans qu'il y ait. Au fait, le protocole établi, bon, vous dites que je fais le protocole. Le protocole, c'est que premièrement, nous devons tirer une flèche. Okay? Si nous faisons un bateau connaît qui nous donne un format de présence, qui est un bateau là. Deuxièmement, si le bateau là continue à venir, donc nous faisons tirer de son machin. Troisièmement, si le bateau là continue à venir, nous cherchons la coupe bateau là ou sur le moteur. Quatrièmement, dernièrement, si il continue à venir, même pendant le train, tout le bouquin est dormi, là nous allons riposter et main to main. Mais quelque part, comment dire, tout ça c'est un laisse. Si tu premier coup même, quand le bouquin vient, on fait tirer son machin, il va dire, bon, c'est un aim shot. Donc là, mon protocole, c'est directement mettre à tuer le bouc. On peut dire tuer, c'est-à-dire ou pas, pour pas blesser. Non, tuer. Moi, c'est là, c'est pas blessé parce que quand vous avez une intendance complète avec vous, on n'est pas pour. Là, c'est. Ça, c'est autre chose. Non, tu récupères plus de gens, tu peux passer. Non, c'est un énorme. Un énorme de points. Non, le RPG, c'est un lance roquette. Je vois qu'il n'est pas un lance roquette, tu vois. Non, mais vous décidez là, à la microseconde, à la vitesse. Non, c'est tout de suite, c'est même pas la microseconde, il n'y a pas décidé là. Là, c'est tout de suite. C'est l'entraînement qui fait ça. C'est l'entraînement qui fait ça. Donc ça c'est le réflexe. Tu ne peux pas couper de l'eau, tu n'as pas la décision là. Non, tout de suite, c'est le protocole est ainsi, mais un laisse. Si un bouquin est là, puis dit, bon, c'est aim shot. Tu vois. Un autre bouquin qui, depuis quelques temps, il y a un procès. Ouais. Qui va sur ma main, il y a une douzaine à Maurice. Je ne suis plus sorti, mais en fin de compte, je ne sais pas si c'est sorti. Mais il y a la même chose qui est passée dans ce celui-ci. Et ce dossier-là, on connaît aussi le dossier-là, des fois, on a une théorie, hein. Dis-moi, mais qui est un procès après un appel pour l'État? Deuxièmement, on va dire qu'on a dû dire ah, il y a un protocole international qui nous va suivre, un Américain qui va faire ceci, un Français qui va faire ceci, un Français qui va faire ceci, un procédure qui va faire ceci. Il y a un protocole bien établi qui est établi. Tout dernièrement, nous avons trois sommariens qui libèrent ces choses. C'est par rapport au matériel évidence. Okay? Donc, déjà, vous avez déjà prouvé que c'est un pirate. Vous avez déjà prouvé qu'il y a un exemple. Demain, s'il arrive un pirate, puis là, on a une fusible. Des fois, c'est qu'il nous a calculé aussi. Ça, la mer peut nous naviguer là et qu'il va le faire atteindre sur profondeur environ 4000 mètres. Donc là, on a 4 km. Donc déjà, si on lance une pose de fusil dedans, on va mettre à ça, c'est difficile. Donc maintenant, vous êtes capable de prouver que ça va le pirate. Déjà, on a matériel d'évidence, comment dire, soit une échelle. Bon, il est capable de distinguer 10 réservoirs descendants. Ça ne veut pas dire qu'il y a un pirate. Ok, donc tant que nous avons trouvé Bougain en Lyon, tant que nous avons pas trouvé qu'il nous fait mentir nos bateaux, demain je suis parti à nous faire mentir, c'est finalement qu'il n'y a pas nos bateaux. Donc il y a plusieurs matériels d'évidence qui doivent nous prouver. Parce que logiquement, quand sur le bateau, nous avons aussi un helmet qui nous a enregistré. Du moment où. Mais ce problème là, est-ce que ça fait mal, il dit pas une évidence? Mais est-ce que je t'ai dit? Non, mais moi c'est la question. Comment nous dans l'opération nous allons. Mais est-ce que ça m'a dit qu'il n'arrive pas à le pirater tout seul? C'est ça la question que vous me posez. Donc, pour que vous établir un cas de piraterie, je viens d'avoir une prouve qui va doubler et tirer, qui c'est bien ce même qui est tiré. Parce que bien souvent, quand on a une boucle qui l'a, il y a plus de passé, il y a une vie qui se fait, tout le monde vient là, mais. Mais c'est dans ce protocole, il n'y a pas un laisse ou garçon ou homme qui trouve un bateau. Il vient dire, non, nous, l'allumer de caméra. Tout de suite, nous, elle met on. Tout de suite, nos caméras on. Et même nous maintiens de ce marché, même tout le monde a tout enregistré. Parce que demain, ce moment-là, si les aussi venu, nous fait que retransmettre la puce ou autre chose, nous donner un avis et lui faire le nécessaire. Mais il faut dire que tout ça, on a fait là derrière. Mais je ne sais pas faire aucune invitation, je ne sais pas vraiment un pirate là, au bateau, mais je donne dans une prison. Nous ne pouvons pas prendre le bateau. Logiquement, nous y allons parce que le safety déjà N. Et des fois, bon, la loi internationale, quelquefois, j'ai aussi prendre un pirate avec le bateau, ou déjà traité comme un membre de l'équipage. Vous avez beaucoup de gens qui sont confort, qui sont dans l'affaire, qui veut dire que vous pouvez prendre un problème, vous pouvez prendre un problème, vous mettez avec vous exactement. Parce que dans le pêcheur, on est à peine un pirate aussi, ou quand vous avez des bateaux qui payent la pêche à distance, en moins de 150 mètres, par exemple, la pêche est la côte qui est reliée, surtout quand on fait pêche. Donc finalement, quand on traverse dans la côte là, on ramène ça des bateaux là, le haut flanc.
et je te montais tranquillement. Donc, il y a plusieurs techniques, mais qui doit connaître des joueurs, et il doit connaître qui fait, qui va vous faire, quand tout ça, le mal sport là. Donc, c'est toujours une question de training, c'est une question de comment procéder. Il y a pas de protocole, mais comme je disais, les protocoles, bon, ils sont là.